Vous êtes sur RTL. RTL, l'invité des petits matins. 6h15, vous écoutez RTL, on vous souhaite la bienvenue si vous nous rejoignez. Ce matin, on va décrypter l'appel à l'aide d'Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que lundi soir, vous le savez, 13 soldats français sont morts au Mali lors d'une collision entre hélicoptères en plein combat dans le désert. Et 4 jours plus tard, hier après-midi, le président a pris la parole pour tacler en quelque sorte nos alliés européens et s'interroger sur cette guerre contre les djihadistes menée depuis 2013. Écoutez-le. La France est impliquée et agit pour le compte de tous. Néanmoins, le contexte que nous sommes en train de vivre nous conduit aujourd'hui à regarder toutes les options stratégiques. Dans ce contexte-là, et en fonction des décisions que la France aura à prendre, une plus grande implication des alliés est évidemment quelque chose qui serait tout à fait bénéfique. On va essayer de comprendre ce message à destination de nos alliés. Bonjour Général Dominique Trinquant. Bonjour. Vous êtes l'ex-chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Vous avez conseillé Emmanuel Macron pendant sa campagne. On a bien besoin de vous pour comprendre ce qui se joue à quelques jours du sommet de l'OTAN, pour mieux comprendre aussi ce conflit qui nous paraît parfois si lointain. Quand Emmanuel Macron demande une plus grande implication à nos alliés européens, dites-nous, est-ce qu'effectivement on est seul au Sahel en termes d'effectifs, en termes de moyens ? En termes d'effectifs, on est très seul. 4500 soldats français et quelques additions, 3 hélicoptères britanniques, un peu de danois, 50 estoniens. Ils sont présents, mais c'est très faible. Et je pense que dans le cadre de la réflexion, la double réflexion que demande le président, c'est-à-dire à l'OTAN, l'électrochoc en disant « sortez de votre mort cérébrale et réfléchissez aux vraies menaces », et la réflexion de la France qui est engagée un peu seule au Sahel, il s'agit de mettre les options sur la table et suivant la méthode que le président affectionne, il demande d'étudier les choses, il écoute et puis ensuite il prend des décisions aussi bien vis-à-vis de nos alliés, de l'OTAN que des armées françaises. Et vous qui le connaissez bien Emmanuel Macron, quand il se dit prêt à revoir la stratégie de la France au Sahel, qu'est-ce que ça signifie ? On peut se retirer progressivement si personne ne nous aide ? Non, alors je ne crois pas que ce soit une option de retrait. C'est qui serait assez catastrophique à la fois pour la région et pour l'Europe. Et il s'agit de faire bien comprendre aux Européens que avoir un énorme outil militaire, qui est un outil militaire efficace, mais qui pour l'instant se cantonne, j'allais dire, dans des mesures dans les pays baltes, des manœuvres dans les pays baltes ou en Pologne, où la menace directe. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de menace cyber, mais je ne vois pas des divisions russes franchir la frontière polonaise, par exemple. Alors que dans le Sahel, il y a de vrais combats. Et il s'agit que nos alliés s'engagent dans les vrais combats qu'ils ont à mener pour la défense de l'Europe aujourd'hui. Est-ce qu'il est temps de questionner cette stratégie au Sahel ? Plus de 40 soldats français y ont perdu la vie, des centaines de milliers de déplacés, des foyers djihadistes qui se sont étendus au Burkina, au Niger. Clairement, on n'arrive pas à éradiquer aujourd'hui ces groupes islamistes. Si, on y arrive, c'est pas exact ce que vous dites. Il y a une fédération de djihadistes, 5 chefs pilotent cette nébuleuse et 3 ont déjà été éliminés, le quatrième le sera bientôt, donc on progresse. Mais le problème c'est que ça va durer longtemps et l'engagement dans la durée nécessite de gros moyens. Et ces gros moyens, il faut les demander à nos alliés. En renforcement de ce que fait la France. Édouard Philippe, le Premier ministre, a estimé que l'action de la France était indispensable. Pourquoi ? Parce que les armées locales, les armées africaines que nous formons aussi depuis 6 ans, elles ne sont pas en mesure de prendre le relais aujourd'hui ? Non, rappelons-nous qu'au Burkina Faso comme au Mali, la France intervient essentiellement au Mali après qu'il y ait eu des coups d'État avec des armées qui ne tenaient pas le choc face à la menace. Donc il y a besoin d'avoir un renforcement. Il faut les former, bien sûr, sur le long terme. Il faut qu'ils participent, c'est le G5 Sahel. Il faut qu'ils participent, mais il y a des moyens qu'ils n'ont pas. Les hélicoptères, les avions, les drones, le cyber, ils ne sont pas équipés dans ce domaine-là. Donc tout ceci va prendre énormément de temps, et pour tenir dans la durée, il faut absolument renforcer l'effort méritoire et remarquable des armées françaises. Ces djihadistes au Sahel, est-ce que ce sont des menaces aujourd'hui pour notre sécurité intérieure ? Est-ce qu'ils ont ce projet de venir nous attaquer chez nous ? Leur projet, c'est de détruire notre façon de vivre et notre liberté. Pour tous les auditeurs qui ont vu le film Timbuktu, ils voient de quoi je parle. Eh bien, il faut impérativement empêcher qu'ils établissent un nouvel État islamique, un califat
dans le Sahel. Parce qu'à partir, tant qu'ils sont en train de lutter contre nous, ils n'ont pas cette capacité. Le jour où ils ont installé un califat dans le Sahel, comme ils pensaient le faire au moment où nous les avons arrêtés avec l'opération Serval, à ce moment-là, ils ont la capacité de rayonner et de partir à l'extérieur. Et ça, il faut absolument l'empêcher. Un dernier mot. Daesh a revendiqué hier soir l'embuscade dans laquelle sont tombés nos soldats. Est-ce que ça ressemble à une revendication d'opportunité, d'après vous ? Non, alors c'est bien sûr une revendication d'opportunité, comme ils le font à chaque fois. Mais si vous voulez, les djihadistes qui étaient poursuivis par nos soldats appartiennent probablement à la nébuleuse qui est autour de Daesh. Donc qu'ils puissent dire que les 13 soldats sont morts parce que ils étaient en train de combattre contre nous, ça n'est pas très surprenant. Maintenant, ils ne signalent pas, bien sûr, à chaque fois qu'ils sont défaits. Madame Parly signalait 600 djihadistes qui ont été neutralisés depuis le début des opérations. Merci beaucoup, Général Dominique Trinquant, expert militaire, d'avoir été ce matin notre invité. Vous qui connaissez bien Emmanuel Macron, pour décrypter ses propos, le président qui souhaite donc revoir cette stratégie au Sahel et qui en appelle à ses alliés européens. Merci d'avoir été notre invité sur RTL. Merci. RTL Matin. Pour tout savoir des coulisses de l'info.